Bonjour, fini la traditionnelle soirée country ou soirée disco pour animer la commune. À Belley-sur-Vilaine, une section de commune de Guémené-Pinfo, les commerçants ont décidé de casser les conventions. Ils ont carrément organisé une soirée Chip and Dale's. Alors, organiser une soirée comme ça, c'était dans ma tête depuis que j'ai ouvert le commerce de Belley. Donc on a repris le bureau de tabac il y a 3 ans maintenant. Et dès les premiers moments, j'ai senti une clientèle qui voulait qu'on bouge des choses, qu'on fasse des soirées. Et moi, je voulais faire un truc qui marque un peu plus la population, parce qu'ils ont envie de s'amuser. Et j'étais partie sur une idée de country ou de choses comme ça, mais il y en a partout. Donc j'ai dit, faut se démarquer, faut faire autre chose. Et des amis qui tiennent une discothèque m'ont dit qu'ils avaient fait venir des Chip and Dale chez eux, que ça avait cartonné. J'ai dit, pourquoi pas chez nous ? En fait, un show, ça se monte déjà, c'est par une petite idée comme ça qui te vient à la tête. Tu te dis pourquoi pas ça, et puis tu travailles dessus et tu meubles en fait, tu grossis en fait la chose jusqu'à temps d'arriver à un projet viable quoi. Ouais. Ça demande plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'avoir un show vraiment opérationnel et au top quoi. Au début, on se craque un peu, hein, tu vois, on essaye. On voit ce qui passe, on voit ce qui passe moins bien, on retire ce qui passe moins bien, on regarde que ce qui marche. Et puis à la finale, on arrive à un truc sympa, quoi. Moi, j'ai un autre métier à côté la semaine et en fait, je fais ça juste le week-end, quoi. Donc, pour compléter un peu le... Voilà. Au départ, on va dire que c'était une question, ouais, un peu de sous, parce que voilà, une question de sous. Et puis en fait, j'ai pris goût, quand même. C'est vrai que c'est plaisant, hein, c'est pas un métier non plus... Je pense qu'il y a pire. Non, c'est plaisant et puis voilà, quoi. On oublie le côté pognon, ça, au départ. On est là pour faire un show et puis... Voilà, après c'est la petite cerise sur le gâteau. Trop court, ils auraient voulu plus. Mais plus, ça dit plus cher et puis bah voilà quoi, tout est relatif. Là c'était une première. Il faut les laisser un peu avoir envie de recommencer. Donc c'est toujours trop court. Les filles sont folles, si les filles sont seules, elles sont folles. Si les filles sont avec leur mari, elles sont réservées. Elles envoient le mari. Au bar avec les copains et puis généralement ce sont des soirées entre copines et c'est plus sympa. Et si vous aussi souhaitez organiser une soirée endiablée, je vous donne une adresse internet www.patronesexy.com.